lumière. Buffy contre les vampires. Probablement une des meilleures séries fantastiques qu'on ait jamais réalisées. Voilà, des bons personnages. C'était quoi ce geste avec la main? Vous avez vu? Tu crois que ça veut dire quelque chose? C'est un code. Je crois que ça doit vouloir dire tchou-tchou. Des bonnes scènes d'action. Des bonnes histoires d'amour. De bons scénarios. Et un bon humour. C'est ça, Gaknar? C'est une montagne qui accouche d'une souris. Je me présente, je suis le monstre de vos cauchemars. J'apporte la terreur. Tremblez devant moi. Ayez peur de moi. Qu'est-ce qu'il est mignon! Mais oui, j'aurais dû la traduire. Regardez. Regardez, là. Sous l'illustration de Gaknar. Qu'est-ce qu'elle dit? Taille réelle. Cette série a tout. Action, amour, horreur, fantastique, suspense, science-fiction, super-héros, comédie musicale, carrément. La série connut un grand succès. Non seulement elle eut un spin-off, mais aussi une bande dessinée qui sert de suite à la série, une grande série de figurines, ainsi que de nombreuses conventions en honneur des fans et des créateurs de la série. Cette série est tout simplement culte et imbattable. Plusieurs séries ont essayé de reprendre le concept de Buffy contre les vampires, des séries comme Smallville ou Supernatural, mais aucun, je dis bien aucun, n'a réussi à atteindre le niveau de qualité de Buffy contre les vampires. Et pourtant, cette série a quand même quelques préjugés. Comme par exemple, si vous allez quelque part dans la rue au hasard et que vous tombez sur un gars et que vous lui demandez « Est-ce que vous connaissez Buffy contre les vampires ?» Ils vont dire « la petite blondasse qui bute des vampires !» Donc forcément, nous, en tant que fans de la série, on se dirait « Pauvre con, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus que ça! C'est mythologique, c'est psychologique, c'est génial !» Non, maintenant j'ai un nouvel argument pour vous. Non, ce n'est pas la série, ça. Ça, c'est le film. Oui, il y a un film Buffy contre les vampires. Buffy, tueuse de vampires. Ce film est sorti avant que la série fût réalisée. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de psychologie, il n'y avait pas d'histoire de mythologie ou quoi que ce soit. Non, à l'époque, on avait juste une idée. Une idée de notre cher Josh Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, qui décida de prendre une blonde qui se bat contre les vampires pour retourner la situation, parce que d'habitude dans les films d'horreur, c'est toujours les vampires qui courent après les nanas. Donc maintenant c'est le contraire, c'est la nana qui court après le vampire. Donc oui, pour 1992, on peut dire que Josh Whedon avait une excellente idée. Et je pense qu'il avait déjà en tête toute la mythologie que l'on connaît aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à l'époque, la Fox, il voulait seulement faire un film. Et ce film, c'est Buffy, tueuse de vampires. Ce film n'est même pas réalisé par Josh Whedon. C'est réalisé par une certaine phrase Bien. Donc, je tiens à vous prévenir sur ce point. Il n'y a aucun, je dis bien aucun, rapport avec la série. Rien du tout. D'ailleurs, vous avez sans doute jamais entendu parler de ce film. Alors que c'est quand même un film qui a inspiré la série. Sans ce film, la série n'aurait peut-être jamais vu le jour. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Eh bien, tout simplement parce que ce film est tellement mauvais qu'il fait tache dans la mythologie de Buffy contre les vampires. C'est encore pire que le pire des épisodes de toute la série. Et si vous ne me croyez pas, je tourne un petit coup d'œil. Je
Donc ça commence avec un flashback sur un mystérieux bonhomme qui nous fait un résumé sur l'histoire des tueuses de vampires. Elle s'appelle la Terreur. Terreur de vampires. Terreur de vampires ? C'est pas français ! Je ne vais pas faire état grâce de du ridicule de cette scène. Les objets, les costumes ! Finalement, Ed Wood, ça avait du crédit ? Je serai l'épée du Seigneur. Que Satan tremble, la Terreur est née. Non, j'ai pas changé de planète, c'est vous qui avez les commandes. Non, parce que regarde, je commençais avec un truc sur les vampires et je tombe bien ça. Bah peut-être, mais moi j'ai touché à rien par l'entretien. Et je m'excuse, on n'a pas changé de planète, on est toujours sur la même planète que tout à l'heure, tous les cadrans l'indiquent. Ah, on est toujours sur la même planète. Ok, merci Willy. Je sens que je vais avoir besoin de toi, ma belle. Donc oui, on atterrit de nos jours au plein milieu d'une répétition de Pop-Pom Girl. Et ce que vous voyez est le générique d'ouverture. Un générique où on voit des Pop-Pom Girls danser avec des crédits, c'est ça le pire, écrits en couleur rose. Ils veulent nous avoir au moral, mais nous, on va pas se laisser marcher sur les pieds, c'est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on leur répond? Répétez après moi. J'ai du poil au cul, j'ai le droit de tripoter la balle. Donc, si après ça, vous avez toujours la stupidité de rester, ok. Allons-y. Il n'y a pas de réindication sur le lieu où se passe ce film. Je suppose que c'est Los Angeles ou... Donc, on va donner un nom à cette ville. Poof World. Un monde où les filles sont tous superficielles, rêvent tous d'être belles, rêvent tous d'être pop-up girls, rêvent tous d'aller en balle et emmerdent quiconque, ne passent que leur journée à faire du shopping, fait passer les autres pour des cons même quand ils ont raison, et pensent que le principal problème de l'environnement ce sont les insectes. Quelles sont les menaces les plus dangereuses pour l'environnement de la planète dès aujourd'hui? Les saletés. Les feux forestiers? Les insectes, absolument. Ouais, j'en ai horreur. Ouais. Non. On est qu'à 5 minutes de film. Si ça tombe, ça va alors. D'ailleurs, ces filles sont inintéressantes à un point jamais égalé. Les 5 premières minutes du film leur sont consacrées et tout ce qu'il faut, c'est du shopping en disant des trucs. Oh, c'est les passifs meubles. Vous en dites? Écoute, c'est complètement démodé ton truc. Ouais. Oh! Ah, et si on allait voir un film? C'est vrai que t'emmènes Jeffrey coucher chez toi ce soir? Ouais, c'est mon plan. Oh, ça c'est cool! Tes parents partent toujours pendant le week-end, t'as de la chance. Oh, c'est pas ma faute si je connais pas la capitale de l'Espagne. J'ai juste la moyenne en compo. Et il raconte que j'ai aucun sens historique. Moi, j'ai aucun sens historique? Et lui avec ses vieilles cravates. T'es juste la moyenne? C'est incroyable, et moi j'ai pompé sur toi. Excuse-moi de pas savoir grand-chose sur le Salvador. J'ai jamais mis les pieds en Espagne. Et encore, je vous ai pas dit le pire. Ce personnage est censé être Buffy. Je connais pas ma religion, alors je vais vous faire une compile. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Shaman Usaya. Om. Ça commence bien. Je sais pas si vous avez reconnu Hilary Swank parmi eux. Et je trouve ça intéressant que là, elle en fait des caisses. Alors que dans un film comme Écrire pour exister, où elle est tout à fait calme, tout le monde se plaint qu'elle en fait des caisses. Est-ce que vous avez vu ce film au moins? Salut. Bah quoi? Je croyais que c'était passé de mode. Ben c'est rétro. Ah mon dieu! Elle m'a menti! J'aime bien ce blouson jaune! Est-ce que je suis le seul à penser que ces sourires représentent la connerie universelle? Vous êtes des petites connes! On s'en bat l'œil, t'imagines?
Donc oui, les vampires sont quelque part, mais on va vous les montrer. D'ailleurs, un de ces vampires est joué par Pee-wee Herman. Waouh! Un vampire aussi dingo et aussi attachant que Pee-wee Herman? Waouh! J'ai hâte de voir ce que ça va donner. T'as foutu ma veste en l'air. Je veux que ça saigne. Ok, ouais. Je charge, on sait jamais. Je travaille d'arrache-pied à bâtir toute une nouvelle famille. Nous serons à nouveau légion. Quand tu te lèveras, nous réclamerons la place qui est la nôtre. Des rubis perleront doucement de tes lèvres. Ah, il y en a aussi ces deux petits cons. Marcel joué par Luc Perry et Benoît joué par... J'en ai rien à foutre du moment que le film se finit vite. Oh, alors là, attention, je tiens à vous prévenir. Ce que vous allez voir va provoquer un paradoxe temporel inimaginable qui va sûrement se répandre sur toute la galaxie de Josh Whedon. Je vous aurais prévenu. Ce que vous allez voir va vous choquer. Comment tu t'appelles ? Bichette. Oui, mesdames et messieurs, cette fille s'appelle Bichette. Premièrement, vous croyez pas qu'on a assez de difficultés avec avoir un personnage aussi puissant que Buffy et qui s'appelle Buffy? Non, il faut que vous en rajoutiez, vous l'appelez Bichette. C'est déjà assez dur, Buffy. Alors pourquoi mettre Bichette? Ensuite, qu'est-ce que vous avez avec le nom Buffy? Ça m'a l'air un nom tout à fait exceptionnel, bien entendu, mais en même temps, normal. C'est aussi exceptionnel que quelqu'un s'appelle Will. C'est un nom normal, alors pourquoi vous le traduisez? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de traduire ce nom? Surtout qu'il n'y a pas de traduction officielle à Buffy. Buffy en français, ça donne Buffy. Dans la série, ils n'ont pas traduit Buffy, alors là, je vois pas pourquoi ils traduiraient. Et enfin, mon préféré de tous, si vos intentions étaient de traduire le nom de Buffy par Bichette, pourquoi n'avez-vous pas changé le titre des affiches? Oui, je suppose que Bichette tueuse de vampires, ça aurait fait complètement débile, mais est-ce que vous croyez pas que c'est assez débile de mettre tel nom sur une affiche et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun personnage qui s'appelle comme ça dans tout le film? Si vous voulez l'appeler Bichette, mettez Bichette sur le titre. Si vous trouvez que c'est ridicule, alors traduisez pas par Bichette. Mais putain!